Bonjour et bienvenue à cet apéro qui vous entraînera en Martinique. Le voyage a déjà commencé, vous l'avez vu avec les superbes images du domaine des bulles. Alors aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. Nous allons parler de tourisme vert, d'écologie, de nature en Martinique. Et notre série va se poursuivre aussi pendant tout le reste de l'année. Donc aujourd'hui, nous vous parlons de l'aspect plus nature de la Martinique, mais il y aura d'autres rencontres. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le Comité martiniquais du tourisme au Canada pour l'organisation de ces événements qui nous font voyager sous différentes thématiques. Pendant la rencontre, vous pouvez poser vos questions, donc que ce soit en lien avec ce que nous dit notre invité ou si vous avez des questions sur la thématique. Vous pouvez le faire dans l'espace prévu sous la vidéo. Donc, on pourra vous répondre en direct ou alors dans les commentaires, dans la section commentaires, si jamais nous n'avons pas la réponse tout de suite ou si nous ne voyons pas votre message rapidement. Donc, je vais tranquillement me présenter. Mon nom est Marie-Julie Gagnon. Je suis chroniqueuse voyage. C'est moi qui serai avec vous aujourd'hui pour parler de la Martinique, pour vous faire voyager, en fait, à distance et en attendant de pouvoir se rendre à nouveau sur place. Et nous profitons de la Journée de la Terre, comme je le disais tout à l'heure, pour vous parler des trésors naturels qu'on trouve en Martinique. C'est les loups-fleurs. Donc, il y a bien sûr les fleurs qui sont omniprésentes, mais il y a aussi toutes sortes de richesses naturelles à découvrir. Et nous devions, comme on l'a annoncé, se trouver en direct du domaine des bulles, dont vous avez vu les superbes images au début de la vidéo. C'est un hébergement insolite, écologique. Donc, c'est des bulles transparentes dans lesquelles on peut passer la nuit. On se retrouve vraiment entouré de nature. Et donc, c'est une façon différente de découvrir la Martinique. C'est un havre de paix aussi qui est axé vraiment sur l'écologie, le tourisme durable. Je pense que l'expression « être dans sa bulle » prend pas mal son sens dans un lieu comme ça. Et tellement que l'aspect technique étant un peu plus compliqué, on a décidé de se transporter dans un autre coin de l'île, directement du jardin de notre invité d'aujourd'hui pour faire la vidéo. Puisque ça devenait un petit peu plus compliqué de vous présenter ça en direct du domaine des bulles. Alors, je vous invite quand même à aller découvrir l'endroit grâce à Internet pour le moment, parce que c'est franchement intéressant de voir un lieu qui détonne quand même dans l'offre touristique. C'est très intéressant comme concept aussi. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre invitée du jour. Elle s'appelle Raymonde Boula. Elle a conçu en fait sa propre entreprise qui s'appelle Wanacera Eco Excursion. Bonjour Raymonde, comment ça va? Bonjour Marie-Julie, ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors, je te présente brièvement pour les gens qui nous écoutent. Tu es née à Fort-de-France, en Martinique. Tu es la maman de 3 enfants quand même. Et en 2018, tu as eu envie de créer l'entreprise Wanacera qui propose des balades écotouristiques. J'aimerais ça que tu nous résumes un petit peu qu'est-ce que c'est exactement le titre, quelles sont les excursions que tu proposes? Alors, ce que Wanacera Eco-Excursion propose, ce sont des balades sensorielles et méditatives où on va vraiment faire corps avec la nature, où on va sentir, toucher, où on va vraiment s'imprégner de la nature. Et là, j'ai dit que tu te trouvais en ce moment dans ton jardin. C'est où précisément, oui. Si on regarde là, sur une carte, sur l'île,
Où exactement? Alors, on est dans la deuxième ville de la Martinique, le Lamantin. Donc, c'est la ville où il y a l'aéroport. Donc, c'est la première ville que vous allez voir quand vous allez arriver en Martinique. Donc, tu es entouré de fleurs déjà à l'île aux fleurs. C'est quoi d'ailleurs les fleurs qu'il y a derrière toi? Alors, ce sont des bougainvilliers. Il y en a de toutes sortes et de toutes les couleurs. C'est magnifique et ça nous donne franchement envie. En ce moment, nous, on a de la température. Disons que c'est loin de la température idéale. Il y a quelques jours à peine à Montréal. On a de la neige. On a eu de la neige hier. Il y en a un petit peu aujourd'hui encore. Je pense que de voir toutes ces fleurs-là autour de toi, ça fait déjà un bien fou de se transporter, de voyager un peu avec toi aujourd'hui. Et donc, on va parler de ces richesses naturelles-là. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de tout ce qui est, tu sais, tout ce qui entoure l'aspect nature sur l'île aux fleurs. Donc, tu nous parles un peu de l'histoire aussi, comment l'écotourisme s'insère là-dedans. Mais déjà, partons du départ. Comment tu nous parlerais des richesses naturelles, toi? Comment tu l'amènes aux gens? Ben, la Martinique, c'est une île magnifique et pleine de biodiversité, donc avec des paysages au nord très luxuriants, avec une végétation très présente, et puis au sud un peu plus aride, avec une végétation presque aride dans certains endroits, presque désert. Ah donc, oui? Voilà. Parce qu'on a vraiment l'image justement de cette végétation luxuriante-là, mais donc c'est plutôt au sud de l'île qu'on voit ces paysages qui changent un peu? Oui, alors on arrive sur des paysages très secs, donc des forêts xérophiles où tout est très sec avec des arbres bien spécifiques. On va surtout trouver du marogani, petites feuilles, enfin des arbres comme ça qui sont souvent dans les lieux secs. Et Ouais. Puis encore d'autres arbres de littoral. Et puis on va trouver aussi la savane des pétrifications. Où là, c'est vraiment aride. On est dans un estuaire, l'étang des Salines, avec un grand nombre d'oiseaux qui viennent se reproduire là-bas. Et c'est vraiment des coins vraiment magnifiques où on est dans des paysages à couper le souffle. Je sais aussi que dans tes visites, tu parles beaucoup des peuples fondateurs. Vraiment, tu nous ramènes un peu dans l'histoire parce qu'il y a un lien aussi avec tout ce qui est la connaissance de la nature. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de cet aspect-là. Ah ben, ça part déjà du nom de l'entreprise, Iwanacera. Iwanacera qui veut dire l'île aux iguanes. L'île aux iguanes, de par les premières choses que les premiers habitants, les Amérindiens, ont trouvées sur l'île. Donc, c'était rempli de reptiles, de serpents, et avec leur tabou, ne pas prononcer les choses qui font peur. Donc, les serpents, ils ont plutôt donné le nom de l'île aux iguanes à cette île. Voilà. OK, donc il y avait plein de serpents quand ils sont arrivés. Oui. Toujours agréable comme lieu quand on arrive et qu'on tombe sur des serpents dès l'arrivée. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ce qu'on peut voir comme, par exemple, les arbres, que tu nous résumes un peu la nature et que tu nous parles des excursions que tu proposes. Comment on les vit, ces excursions-là? Qu'est-ce qu'on peut voir avec toi? Alors, dans les excursions que je propose, on peut voir notamment un arbre qui est lié aussi aux Amérindiens, qui s'appelle le gommier rouge. Donc, c'est un arbre qui rentre dans la pharmacopée amérindienne. Alors, il s'appelle aussi ici l'arbre à touristes, parce que au soleil, il rougit et il pèle aussi. Donc, c'est cette pellicule-là que les Amérindiens récupèrent avec les feuilles et ils en font des décoctions qui peuvent les soigner quand ils sont malades, quoi. Donc, il y a aussi un très bon miel qui est fait de cet arbre-là, surtout à Cuba. Ils en font le miel et c'est très bien. Enfin, c'est un arbre magnifique, en fait. Et c'est intéressant aussi parce que tout ça, les arbres autour de toi, les plantes, tout ça a des propriétés. Je sais que c'est lié aussi à l'histoire de la Martinique. Donc, au moment où il y avait les marrons, j'aimerais que tu nous en parles un peu de tout ça. Ben, c'est lié au partage, cette histoire que c'est par rapport aux marrons, quand ils étaient en fuite, ils ont trouvé sur leur chemin les Amérindiens qui les ont aidés dans leur fuite, qui ont permis de se restaurer et de se soigner justement avec les plantes, avec ce qu'ils mangeaient, notamment le manioc par exemple, c'est un exemple. Donc on a plein d'héritages comme ça qui va être des noms de poissons comme le balaou, qui va être des noms de communes, Macouba ou Ajoupa Bouillon, des choses comme ça. Ajoupa Bouillon? Oui. C'est quoi exactement? Ben, c'est une ville, et c'est dans cette ville qu'il y a les gorges de la falaise.
Ah, OK, donc un autre lieu qu'on peut découvrir. Et il y a aussi un arbre célèbre, je pense, en Martinique. Oui, c'est le grand Zamana. Donc, OK. lui, il a 300 ans. C'est un arbre qui a 300 ans et qui a été en 2016 élu arbre européen de l'année. Je ne savais même pas qu'il y avait un arbre. Donc, cet arbre-là, il faut dire qu'il il a résisté à l'éruption de la montagne Pelée en 1902, à de nombreux cyclones. Donc, c'est un arbre qui est un peu comme le peuple martiniquais. Il est très résilient malgré tout ce qu'il a vu. Il est très beau. Il a une envergure de feuilles qui va sur à peu près 5000 mètres carrés. Donc, il est vraiment très grand. Hein. En tout cas, chose certaine, il est magnifique et ça donne très envie de se retrouver en ce moment sur place et d'aller à l'ombre de l'arbre pour lire tranquillement pendant nos vacances. Un jour, ça sera possible. Mais pour nous donner un aperçu aux gens qui nous écoutent, des excursions que tu proposes, dont on va reparler un petit peu plus en profondeur tout à l'heure, Raymond, on va leur montrer une vidéo. Je tiens à rappeler aux gens avant que si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer ça. On va essayer de répondre en direct. Sinon, ce sera sous les commentaires. Mais pour l'instant, on va regarder une vidéo pour donner un aperçu aux gens. S'évader. S'évader du quotidien. Prendre une pause. Se ressourcer et profiter des bienfaits de la nature. S'émerveiller face à la beauté de notre île. Soyez vous-même, soyez nature. Raymond, ça fait rêver et j'avoue que le massage, là, comme ça à l'extérieur, moi, l'idée me plaît assez après une Ah, c'est randonnée. magnifique se faire masser après la randonnée, au son des vagues, où Tout on est à fait. vraiment détendu. C'est vraiment magnifique. Et justement, parle-nous un peu du type d'expérience que tu vis avec les gens, parce que c'est pas de la randonnée axée sur le sport, là, ce que tu proposes. Non, non, en fait, on est inscrit dans ce qu'on appelle le slow tourisme. On va vraiment prendre son temps pour découvrir les choses. Donc, on est aussi, on va prendre le temps de sentir, de regarder, de toucher, de mettre les pieds dans la boue, dans la mangrove aussi. On va franchement faire des découvertes qui vont être aussi gustatives, où les sens vont être vraiment en éveil. Et est-ce qu'on risque de tomber sur des serpents? Pas vraiment, ou ça peut être la surprise, mais en fait, ils ont tout aussi le droit d'être là, donc à nous de faire attention et de ne pas les provoquer. Ça, j'imagine que c'est quelque chose aussi que tu mets en valeur, dans ton entreprise, puisque tout est axé vraiment sur, le respect de l'environnement, de la nature. Oui, donc c'est toutes ces petites choses-là. Et puis, moi, j'ai l'idée que quand on fait une balade avec moi, on peut à tomber un peu sur son animal totem, qui peut être à la fois le colibri, qui OK. peut être à la fois un crabe qu'on va croiser. Je connais ton amour pour les crabes. Et Ah, t'as des bons espions. ça peut être très sympa de se balader et puis de voir dans un détour un animal qui passe. Ça peut être une mangouste, ça peut être un manicou. Donc on a des petites surprises aussi des fois. Il n'y a pas un oiseau, d'ailleurs, qui s'appelle le crabier? Oui, donc lui, on le trouve justement dans l'estuaire dont on parlait tout à l'heure, donc au niveau de la savane des pétrifications. Donc il arrive par cycle et il vient se nourrir. Enfin, c'est un lieu où ils viennent se restaurer un moment pour repartir un peu plus loin après. Donc, c'est partie du genre de rencontre qu'on peut vivre en participant à une de tes randonnées. Mais il y a une randonnée, je pense qu'il y a un lieu mythique auquel les gens pensent spontanément quand on évoque la Martinique. C'est bien sûr la montagne Pelée. C'est ce superbe paysage qu'on voit près de la ville de Saint-Pierre. Donc, ça, c'est l'image, je pense, qu'on retrouve sur les cartes postales. L'image qu'on cherche tous à photographier aussi quand on va en Martinique, mais aussi en montant, parce que la vue du sommet est absolument spectaculaire. On a des points de vue, même si on ne se rend pas jusqu'en haut, on a des points de vue fabuleux. Mais ça reste une randonnée pas
toujours facile, hein, Raymond? C'est pas la plus facile, là, la randonnée Non, de c'est la pas la montagne plus pelée. facile. Il faut être déjà équipé et puis il faut avoir quand même une expérience. Et puis de toutes les manières, à tous les points de vue déjà, l'expérience elle est belle parce que on a carrément la tête dans les nuages à un certain Ouais. moment et de la buée sur le visage. Donc c'est vraiment. Et puis après c'est de la végétation qui est totalement différente du reste de l'île. C'est une végétation bien spécifique et ça fait toujours plaisir de voir ça, en fait, cette diversité aussi qui est marquée par cette latitude, cette altitude. Donc voilà. Et une chose intéressante aussi, au niveau des randonnées, il y a quand même une multitude de parcs, je pense. Franchement, pour tous les types de voyageurs, on peut trouver chaussures à son pied, là. Donc, est-ce qu'il y aurait des lieux, parmi les parcs qui sont intéressants, est-ce qu'il y aurait des lieux, par exemple, des lieux incontournables que tu suggères aux gens de voir absolument s'ils visitent la Martinique? Alors, il y a la Caravelle, donc OK. la Caravelle qui fait partie des premiers endroits qui ont émergé en Martinique. Donc, c'est dans le nord Atlantique. Donc, la Caravelle, c'est un très bel endroit avec aussi un endémisme où il y a un oiseau qui s'appelle Moqueur Gorge Blanche. OK. Et donc il y a vraiment des choses à voir. C'est vraiment magnifique et pour la biodiversité ou pour tout ce qui est roche, tout ce qui est minéral, c'est vraiment magnifique d'aller là. Donc, c'est la nature, oui, il y a les animaux, il y a les serpents, mais il y a aussi l'aspect géologique qui peut être intéressant à voir aussi sur Oui. place. On a une question, puis après, je veux qu'on parle du jardin de Balata, parce que je pense que ça aussi, c'est un lieu qu'il faut absolument visiter si on passe par la Martinique. On a une question, il y a quelqu'un qui nous demande, Tatiana, qui nous demande comment on peut te rencontrer pour se balader avec toi. Alors, sur mes réseaux sociaux, donc c'est iwanaseraecoexcursion.com, donc ça c'est le site internet, ou sinon par mail, iwanaseraecoexcursion@gmail.com, ou sinon sur l'Instagram, iwanaseraecoexcursion. Et Voilà. parle-nous un peu du jardin de Balata, justement. Ah ben, le jardin de Balata, c'est un peu un condensé de tout ce qu'on va retrouver comme végétation, comme faune et comme flore un peu en Martinique. Pourquoi? Parce que avec tous ces arbres et tout ça, donc il y a tout un panel d'oiseaux qui sont attirés et on peut être surpris par différents colibris, notamment le colibri madère qui est très beau. Et c'est un jardin vraiment magnifique. Magnifique et franchement qui donne, oui, un aperçu avec un colibri, qui donne un bon aperçu, justement. Quand on arrive en Martinique, c'est un bel endroit à visiter pour se mettre un peu dans l'atmosphère puis découvrir, d'avoir un aperçu de l'ensemble de ce qu'on va voir finalement pendant le séjour. Il y a des parcs naturels, il y en a plusieurs et je pense aussi qu'on met de plus en plus l'emphase sur cet aspect-là très vert, très écotourisme. Raymond, j'aimerais ça que tu nous parles, des lieux, parce qu'on sait, un des endroits de la biodiversité aussi, l'accent est beaucoup mis là-dessus. J'aimerais ça que tu nous parles au-delà de la montagne Pelée, quels sont les autres lieux, qu'on devrait voir comme ça quand on sera en Martinique? Alors, un petit endroit simple qui est Anse-Carritan, où il y a une petite plage qui est sympa. C'est pas très profond, mais c'est à la fois un herbier. Et ils ont mis une balançoire. C'est très sympathique et c'est au niveau du un peu après le marin. Et donc c'est la première plage, on va dire, de Sainte-Anne. Et c'est vraiment magnifique aussi là. Est-ce qu'il y a d'autres parcs qu'on devrait voir? On parle du, bon, le parc national, bien sûr. On a parlé de la Oui, caravelle la brièvement. Caravelle, oui. La Après, qu'est-ce qu'il peut avoir encore? Il y a des choses magnifiques, les gorges de la falaise, où il y a ces endroits vraiment très beaux, très verts aussi. Donc, les gorges de la falaise, là, c'est ce qu'on voit. Voilà. Le parc aussi, toute la protection aussi des parcs naturels, je pense qu'il y a vraiment un effort aussi qui a été mis de ce côté-là. Oui, c'est-à-dire que on a été élu pour la biodiversité. Enfin, on fait partie des sites de biodiversité de la Caraïbe déjà. Donc, c'est déjà quelque chose de bien au niveau de la préservation de l'environnement, où on a cet accent qui est mis sur la biodiversité. Là, on parle beaucoup de randonnée pédestre aussi, hein, quand on parle de nature pour trouver des façons de se plonger au cœur de cette nature-là.
Mais il y a plein de choses aussi qu'on peut faire en Martinique. J'aimerais ça que tu nous en parles au-delà des randonnées. Peut-être des trucs un peu plus sportifs, un peu plus extrêmes. Est-ce qu'il y en a qui viennent à l'esprit? Il y a la possibilité de faire du canyoning aussi. OK. Donc, il y a des gens qui en font, qui proposent ces prestations-là de canyoning. Il y a aussi les bateaux, enfin, les kayaks fond transparent. Ça peut être aussi très, très sympathique pour découvrir nos beaux fonds marins. De toute façon, il y a toujours, il y a la visite aussi des marchés. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup. Et pour revenir sur la plongée, je pense aussi, les canaux transparents, c'est super, mais les gens qui ont envie de plonger, il y a de magnifiques sites aussi en Martinique où on peut aller plonger. D'ailleurs, pour les gens qui ont envie d'explorer un peu plus en profondeur cette thématique-là, on a déjà fait un direct une fois sur la thématique des sites de plongée un peu partout au pays. Donc, si vous voulez aller fouiner dans les archives, c'est franchement une thématique très, très inspirante aussi pour de prochains séjours. On a une autre question, Raymond, pour toi. Quelle est la situation concernant les algues sargasses en Martinique? Est-ce que vous en avez des algues sargasses? Oui, on a un retour des sargasses sur certaines plages. Notamment sur les plages du Vauclin, un peu ce genre de voilà, c'est sur ces sites-là qu'on a beaucoup de sargasses. Mais je pense que le phénomène est moindre qu'auparavant, mais quand même, il est cyclique et il revient chaque année. Non, j'allais dire, c'est David Laborieux qui nous posait cette question-là, puis il nous demandait aussi, est-ce que c'est contrôlé? C'est ce que tu allais dire, en fait. Oui, voilà, c'est quelque chose où on n'a pas vraiment de contrôle dessus, puisque ça arrive avec les marées et tout. Le tout, c'est que ça repart pas, puisque ça reste coincé sur le sable et sur les plages. La dernière fois que je suis allée aux Salines, il y en avait un petit peu au niveau de la Table du Diable. Mais bon, après, ça reste pas fort. Enfin, c'est pas franchement désagréable. Il n'y en a pas des tonnes non plus, quoi. C'est ça. Et de toute façon, je pense qu'il y a tellement de plages magnifiques et d'endroits où on peut aller explorer en Martinique. On peut très bien s'offrir, justement, des espaces où on n'en trouvera pas. Quelle est la plage qu'on voit en ce moment? La plage des Salines. Ça, c'est la plage des Salines, il me semble. Non, ça, c'est le Diamant. Ça, c'est le Diamant. Celle-là, c'est le Diamant, peut-être? Je ne sais plus. Oui, c'est le Diamant, oui. C'est magnifique. Et franchement, je pense qu'encore là, il y en a pour tous les goûts. Souvenir que j'ai, je pense, déjà raconté dans ce live-là. Là, c'est le Tombolo. OK. Sainte-Marie, dans le Nord Atlantique aussi. C'est le Tombolo. Si j'allais raconter, j'ai un souvenir d'avoir mangé une glace coco sur la plage des Salines. Tu me parlais de bouffe tout à l'heure. Tu parlais de marché. Ça fait partie des choses aussi que tu aimes bien mettre en valeur les marchés. Pourquoi exactement? Qu'est-ce que tu aimes des marchés? Alors, dans les marchés, c'est plein de couleurs et plein d'odeurs. Et on peut parler aussi aux locaux. On peut avoir aussi des bons tuyaux, des bons restaurants de par ceux qui vendent les produits au restaurant. Donc, c'est vraiment magnifique de pouvoir échanger avec ces gens qui sont là et qui, parfois même, viennent vendre leur production directement sur le marché. Il y a des produits aussi qu'on trouve seulement en Martinique qui sont vraiment emblématiques de la Martinique. À quoi on devrait porter attention, à ton avis, lors d'une balade au marché? Vous connaissez les bananes dessert, on va dire. Les bananes plantain? Oui, la banane, mais moi, je vous conseillerais de goûter les plantains en salé. Elles sont très bonnes et il y a pas mal de façons de les manger, soit bouillies ou en frites. Franchement, c'est très intéressant. Et puis aussi, il y a le tao. Ce qu'on appelle le tao, c'est chez nous, ça s'appelle le dachin. Donc, c'est une tubercule qui aussi se mange bouillie, mais il y a encore d'autres façons de les faire. On a des chefs qui magnifient ces préparations et c'est vraiment très bien. Moi, je conseille de vraiment manger local, manger comme l'habitant quand on vient ici. Et puis, comme ça, ça donne vraiment une idée de tout ce qu'il y a comme produits locaux ici. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des marchés bio aussi en Martinique? Oui, on a pas mal de marchés bio qui commencent à s'installer, notamment un qui revient tous les 15 jours au Lamantin, justement, dans la ville où je suis.
à la ferme Périne. Donc, c'est une sorte de ferme éducative où on voit un peu tout ce qu'il y a comme, il y a des poules, il y a un peu de tout. Et donc, ils ont un marché bio qui revient tous les samedis. Ça peut être intéressant aussi d'aller là et de parler aux cultivateurs, aux producteurs. Et il y a surtout la possibilité de découvrir des anciens légumes qui deviennent nouveaux parce qu'ils ne sont pas connus. Donc, okay. Ça peut être des topinambours qui étaient très utilisés et qui reviennent maintenant. Il y a aussi le couscous, c'est comme un igname aussi, ça se cuit un peu, c'est un peu farineux, un peu comme du riz. Donc, ça peut se manger avec du poisson, avec du poulet ou avec des légumes ou des feuilles, un peu comme ce qu'on appelle chez nous l'herbage. Donc, okay. l'herbage, c'est une feuille qui est comme un chou et qu'on fait bouillir et on le mange en salade. Ça, c'est très bon. Il y a quelqu'un qui m'a parlé du sirop de batterie. C'est quoi ça, le sirop de batterie? Ah, le sirop de batterie, c'est le jus de canne qu'on fait bouillir dans des gros chaudrons. Donc, il y a un producteur qui fait ça au niveau du Lorrain, dans les hauteurs du Lorrain. Et donc, c'est très folklorique où ils vont faire bouillir, prendre d'abord le jus de la canne dans un espèce de moulin qui pousse à la main. Ils vont récupérer le jus et le faire bouillir dans des gros chaudrons et avec du feu de bois. Et donc, avec ce sirop, on peut faire des jus en mettant juste un peu un jus de citron dedans et des léons avec un peu d'eau. Et puis, ça rentre aussi dans la composition de gâteaux ou d'autres mets locaux. Ce que je retiens, Raymond, de notre discussion, c'est que franchement, on n'a pas assez d'un voyage en Martinique pour découvrir tout ce qu'il y a d'intéressant. Une chose, toi, que tu aimes bien rappeler, c'est de peut-être prendre son temps aussi sur place, hein, c'est ça? Rester peut-être un peu plus longtemps pour... Voilà, aussi, c'est mieux pour la planète. Ça s'inscrit dans le slow tourisme où il faut prendre son temps. Donc, quand on vient en voyage dans les îles, il faut prévoir un temps supplémentaire pour pouvoir vraiment s'imprégner de tous les moi j'aime bien dire découvrir tous les visages de l'île parce qu'il y a différents visages autant nous dans cette espèce de melting pot humain mais de nature et tout. C'est vraiment bien de prendre son temps pour pouvoir découvrir tout ça. Alors on peut faire de la randonnée sur la montagne pelée si on en a envie, mais sinon il y a plein d'autres options. Avec Raymond, on peut entre autres aller se balader dans toutes sortes de décors qui sont peut-être moins connus, qui sortent un petit peu des sentiers battus même, avec toujours cet esprit pour l'environnement, avec en tête l'importance de l'environnement. D'ailleurs, je pense même que tu vas dans les moindres détails, toi, tu penses aussi aux bouteilles d'eau, à tous les petits détails auxquels on pense quand on part en balade comme ça et qui sont pour la planète. Oui, c'est-à-dire que tout ce que je propose est réutilisable. Donc, à mi-parcours, y a un shot que je propose qui est là, en fait. C'est un shot orange amer miel. Okay. Donc, c'est un shot orange amer miel en mi-parcours. Je le propose dans des verres réutilisables, dans des petits bocaux, dans des petits shots. Et donc, ça donne un coup de fouet pour finir la randonnée et retourner au camp. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, on est dans les matériaux végétaux comme la calebasse ou dans… C'est quoi la calebasse? La calebasse, c'est le fruit d'un arbre qui n'est pas vraiment comestible, mais en tout cas, là, on garde l'écorce, enfin la coque, et on va la vider, on va la laisser sécher. On peut aussi la graver, mais on peut aussi manger dedans. Et qu'est-ce que je vois à côté de toi? Là, c'est une cabosse. Et je disais, la calebasse, c'est aussi un héritage des Amérindiens. Donc là, c'est une cabosse de cacao. Donc, si on l'ouvre, on verra qu'il y a des fèves dedans. Et les fèves, on peut les manger comme ça. Elles sont chargées de magnésium et elles font du bien. Et après, ce sont les fèves qu'on met à sécher pour pouvoir les torréfier et faire le chocolat. Chez nous, ça s'appelle le gros cacao. On le fait à la main. Et on l'utilise avec du lait et tout ça pour faire le chocolat, ce qu'on appelle le chocolat première communion chez nous. Le chocolat première communion, oui. C'est bien. OK, occasion spéciale, on sort le chocolat, j'aime bien. Il y en a qui préfèrent le petit punch, mais je pense que le chocolat première communion me semble aussi très intéressant comme option. Écoute, je te remercie, Raymond, de nous avoir fait voyager comme ça ce soir. Donc, je rappelle aux gens, si vous avez des questions, il est encore temps, vous avez encore quelques secondes pour nous faire parvenir vos questions, puis même après, on pourra répondre sous la vidéo. Donc, canyoning pour les gens qui ont envie de choses plus extrêmes, randonnée sur la montagne pelée ou alors plongée sous-marine, ou plutôt une balade méditative et sensorielle pour vraiment mieux
intégrer l'environnement qui se trouve autour de nous avec Raymonde. Ça peut être une fabuleuse option pour découvrir la Martinique sous son jour le plus vert, on va le dire comme ça. Et autre option aussi, le domaine des bulles qu'on a vu en début, au tout début de la vidéo. On les remercie d'ailleurs pour leurs superbes images, la famille Girier-Dufournier. Donc, il nous a prêté ces belles images qui nous font rêver et qui nous font sortir un peu de la neige de Montréal, on va se le dire, là, ça fait toujours du bien. Donc, Raymonde de One... Raymonde, je te laisse le dire toi-même cette fois-ci parce qu'à chaque fois, il faut que j'inverse le style. Iwanacera. Iwanacera. Iwanacera, c'est poétique aussi. Donc, les iguanes, je retiens que c'est ça. L'île aux iguanes. L'île aux iguanes, je vais y arriver. Oui. Donc, cet héritage aussi des Premières Nations, des premiers peuples qui ont vécu, est bien relaté dans les histoires de Raymonde. Mais c'est aussi un aspect intéressant quand on se rapporte à l'histoire pour se rappeler justement que les esclaves en fuite ont eu besoin de ces connaissances-là pour survivre justement dans la nature. Et ça a donné toutes sortes de traditions qu'on peut découvrir avec Raymonde et avec d'autres gens sur place. Dans les restaurants aussi, on peut voir des façons de réinventer la cuisine parfois ancestrale. Donc, franchement, c'est une invitation quand on pourra repartir. En attendant de pouvoir repartir justement à Fort-de-France avec Air Canada ou Transat, nous, on vous propose des rendez-vous comme ce soir avec des gens comme Raymonde qui nous font voyager, qui nous font redécouvrir la Martinique, qui nous amène un peu de chaleur aussi, on va le dire. Et entouré de fleurs comme ça, Raymonde, franchement, moi, tu m'as bien fait rêver ce soir. Alors, un énorme merci. J'invite les gens pour célébrer justement le jour merci de la Terre. Vous. Merci, merci. Si vous avez envie de poursuivre le voyage, il y a aussi la fameuse liste d'écoute sur Spotify qui a été créée par le comité martiniquais qui s'appelle Martinique Ambiance Caraïbes. Donc, c'est sur Spotify. On peut aller voir ça. Alors, encore une fois, merci à tous. Merci au comité martiniquais du tourisme. Merci au domaine des bulles. Merci Raymonde. Et on vous laisse avec des belles images de la Martinique qui nous font rêver. Merci, à bientôt. Bye bye, merci. La Martinique, vous y êtes venu pour ses plages de rêve. Et elle vous a offert un nouveau paradis. Elle vous a offert une nouvelle nature. De nouvelles saveurs. De nouvelles sensations. De nouvelles traditions. Et au bout de votre voyage, elle vous a offert ce que vous n'étiez pas venu chercher. Une nouvelle famille. La Martinique, elle vous aime.